Je trouve que c'est pas mal parce que déjà la Guadeloupe, on sait que c'est éloigné de la France, c'est un département outre-mer, donc qu'on arrive à faire un événement ici, c'est déjà pas mal et je trouve ça bien pour tout le monde. Cette compétition s'est plutôt bien déroulée, on a eu un petit peu de vent, il y a eu du niveau, mais bon, pour l'instant, elle est cool, la compétition est bien. On avait une bonne avance déjà pour le relais, on a eu 4 manches de relais, on a fait 4 fois premier par catégorie, pas au scratch parce que là en fait le relais, il y avait toutes les équipes, il y avait collège excellence, lycée établissement, lycée excellence, nous on est en lycée établissement et donc dans notre catégorie on fait premier et après les jours qui ont suivi on a gardé l'avance qu'on avait au départ quoi. Quand on fait un podium on rapporte des points au bac qui varient entre 16 et 20. Il me semble que c'est ça, et ça nous rapporte des points et c'est plutôt cool quoi. Du coup là on a 20 au bac en option, parce qu'un podium normal c'est 16 et si on est sur la première marche du podium on a 20. Donc nous on est plutôt contents. Champion de France c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est un peu le but au début et puis après on monte les échelons et puis on est super contents quoi. C'est vrai que nous avons un stade nautique naturel hein, avec un très beau plan d'eau et c'est bien pour les jeunes aussi, c'est vrai que c'est une fierté pour nous à cette année de recevoir le championnat de France UNSS de planche à voile bien évidemment et je crois comprendre que nos gamins se débrouillent pas mal, notamment le lycée Yves Le Borgne, hein, je crois qu'il est quand même en tête, hein, mais en tout cas dans leur catégorie. Et donc c'est une vraie fierté pour nous et je pense que cette opération aussi doit encore permettre de favoriser, de développer la planche à voile et plus généralement c'est les activités nautiques.